Salut à tous, départ aujourd'hui de Samoins pour arriver au plateau d'Anterne. Donc juste après le col d'Anterne à 2000 mètres d'altitude, on va passer le col à 2002 avant de redescendre un chouïa. Donc comme je suis ici à Samoins à 700 mètres, ça fait donc 1500 mètres de montée. Ça va être intéressant cette montée, c'est pas n'importe quoi non plus. On va avoir trois jolis morceaux. Le premier, ça va être le gouffre du Giffre avec les fameux escaliers. Ensuite, le grand et très connu cascade du Rouget. Ça va être sympa normalement ça. Et puis ensuite, à la fin, le plateau d'Anterne à 2002. Donc très très sauvage normalement, sans aucune route, sans aucune habitation, sans rien, ça doit être très joli. Maintenant, le problème est la pluie. Je vois, c'est déjà couvert maintenant. Ils ont annoncé à partir de midi quelques risques de pluie, même risques importants. Alors ça, on verra. J'ai pas de solution de repli sur le refuge parce qu'il est complet. J'ai téléphoné hier soir. Donc c'est camping obligatoire. Alors prions pour que ça tienne, en tout cas le temps que je monte la tente. Raison de mon départ assez matinal ce matin pour essayer de maximiser mes chances de marche par temps sec. Alors voilà, beau gros programme, 8h30 de marche aujourd'hui. Grosse belle journée, j'espère que la météo tiendra. Ça devrait être beau et on verra la suite tout à l'heure. Voilà, je sors du Gymkhana des gorges du Giffre. Dans une heure, j'ai la cascade du Rouget. Ça, c'est assez impressionnant. Ça, je sais que c'est beau. Et je me réjouis énormément. Alors, il me reste simplement encore une petite heure de route. Et puis, à travers la forêt, un chemin tout tranquille, tout joli. Donc, je me réjouis. Et puis je vous ferai des photos et des vidéos des cascades. La cascade des Rougets, du Rouget. Waouh! Impressionnant! Un sacré débit, elle fait très très beau. Wow. À partir de maintenant, donc je viens de quitter la cascade du Rouget. Je crois que d'Anterne, j'ai un bon millier de mètres de montée. Et là, ça va pas se faire progressivement, hein. C'est droit le raid à haut. 1000 mètres, il y en a, ils disent 3 heures. On verra. Refuge d'Anterne, c'est normalement la pause de midi. Vallée de Sixte avec ces fameuses formations rocheuses. Et puis si je descends un petit peu là-bas en bas, on voit la cascade
très joli. Difficile à voir avec le petit écran, mais je crois qu'on la voit là, oui. On voit aussi que la vallée est pas très plate, hein. Je peux vous dire que, ah, ça monte dru. Encore un petit bout là-dessus, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment beau, hein. Allez, continue à monter. Là d'où on vient, le village en bas, au fond, c'était déjà 2 heures de marche, nous on vient depuis derrière les rochers. Ça moins, c'est à peu près 2 heures là, derrière les rochers. Donc, encore juste une jolie vue de la vallée. Ici c'est vraiment beau, on voit bien le format et l'allure géologique des pierres. Et puis en face, il y a Six Fers à Cheval, qu'on voit aussi très bien, qui est très très beau là-bas au fond. Et puis un glacier au bout. Si on le voit, il est à contre-jour, mais sympa. C'est le lac d'Anterne, à une demi-heure du col. Le panorama est toujours aussi beau. Vraiment une très 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 belle région. Voilà le lac. Donc il reste une heure et demie, jusqu'au refuge qui est à une demi-heure derrière le col, là qu'on voit en face. Ah, j'arrive au bout. On voit le col là devant. Ben, c'est 1h15 l'après-midi. Je suis parti à 6h du matin. J'ai l'impression que j'ai fait qu'une chose aujourd'hui. C'est monter. À part 2h ce matin de plat, autrement j'ai fait que monter. Bon, allez, encore 5 minutes et j'y suis. Yes! Je suis arrivé. Voilà le refuge pour la nuit. Moi, je vais camper dehors. Je vais manger quand même dans le refuge. Mais j'en ai plein les pattes. Ça fait gentiment 8 heures que je suis parti. Ah là là, ça tape. Oh, ouf, content d'arriver. J'en ai assez là. Il faut que je me repose. Allez, à tout toi demain.